Ivadika yo amin'ny tontolo ny taranja baolina kitra kosa iretsika manomboka eto ka dia hairesaka ny Barean'i Madagasikara efa nivoaka ny listin'i Barean'i Madagasikara kanefa dia mbola nisy fanovana indray izany ny alakamisy teo satria dia tsy ho avy afaka hiatrika izany lalao amin'ny Etiopia amin'ny Nigeria izany I Gladison Lasi Bapasi sy samy lalao atsy amin'ny Nosy la Réunion fitinina manazakeno amintsika amin'ity fanadidinity Une liste de pilalao, mandrafta ni Barea ni Madagascar. Envisageable qu'on ne le sélectionne pas et qu'on ne lui donne pas sa chance parmi les quatre gardiens. Donc, les quatre gardiens sont Melvin, par rapport à la performance qu'il a pu faire au Caire et à Alexandrie, en tout cas pendant toute la CAN 2019. Nina, qui m'a fait forte impression lors du rassemblement du CHAN. Douma aussi, mais que je connaissais déjà avant. Et enfin Fabrice, qui a été excellent. Dixit tout le monde et son président que j'ai eu ce matin avec Fous contre les Marocains. Donc quatre gardiens qui seront là pour la première partie du rassemblement, ce qui précède d'Éthiopie. On amènera deux gardiens ensuite au Niger, les deux meilleurs. Ensuite, au niveau des défenseurs latéraux, j'ai voulu d'abord effectivement faire confiance et refaire confiance aux deux latéraux qui nous ont fait rêver. En Égypte, je parle de Jérôme Mombris et de Romain Métanir. Et j'ai rappelé Mario, parce que à force de regarder les performances de tous nos joueurs malagasques, je me rends compte qu'il est très en forme et qu'il mérite de revenir dans le groupe. Donc trois défenseurs latéraux. Au niveau de la défense centrale, le club de Saint-Pierre n'a pas souhaité, club amateur, il faut le dire, et qui a le droit de le faire, n'a pas souhaité libérer son joueur, Pascal. Donc, on ne va pas se fâcher. On a décidé avec le président de ne pas se fâcher avec les clubs, clubs amateurs. Donc, on accepte ça, avec peine, certes, mais ça donne la chance à quelqu'un d'autre. Donc, les défenseurs centraux sont Jérémy Morel, bien évidemment. Et là, on a la chance de le voir dans une très grande forme, vous le savez. Et on a eu cette malchance avant la CAN de le voir se blesser. Donc là, il est à 100% et ça va nous apporter un plus par rapport à ce qu'on avait vu à la CAN. Thomas Fontaine, alors certains diront qu'il a peu de temps de jeu. Non, il a du temps de jeu, mais il ne joue pas titulaire systématiquement en équipe première dans son club qui est premier en Ligue 2. Pour autant, il s'entraîne et il a du temps de jeu avec l'équipe réserve, donc il n'y a aucun problème là-dessus. Théodin, qui nous a fait forte impression au CHAN et qui malheureusement a été suspendu pour le retour du CHAN en Namibie et qui nous a beaucoup manqué. Et enfin, Yandou, de la CNAPS, qui revient pour compléter. Mais lui, c'est un retour, parce que rappelez-vous, contre la Guinée, il avait été excellent en remplacement de Thomas Fontaine, qui était suspendu. Donc c'est un juste retour des choses. Milieu de terrain, on va faire confiance au même, ou quasiment au même, qu'au Caire. Donc Abel sera là et ce sera notre nouveau capitaine. On s'expliquera là-dessus tout à l'heure. Marco sera là. Ibrahim sera là. Dax est convoqué. Ryan est convoqué. Baggio est convoqué. Et enfin Dimitri est convoqué. Sur les attaquants maintenant, Paulin, Carolus, Bolide, Fanel, Jib. Et on a rappelé au dernier moment, puisqu'on a le même problème que pour Pascal, non pas avec Sainte-Pierre, mais avec Sainte-Marie de la Réunion, qui ne refuse de libérer son joueur Gladysson. On a, par rapport à ce qu'il m'a montré aussi au CHAN, on a récupéré Arnaud au dernier moment. Voilà. Je pense avoir oublié personne. Voilà les joueurs qui sont retenus. Ils sont au nombre de 25 pour la première partie, donc la première partie du rassemblement qui débute, comme le président l'a dit, le 11 ou le 12 au matin, finalement, le temps qu'on arrive, que tout le monde arrive, jusqu'au 16. Le 16, un choix sera fait pour la feuille de match. Et ensuite, pour aller au Niger, nous partirons le lendemain et nous serons 18. On a décidé d'amener 18 joueurs au Niger pour la deuxième partie qui sera très importante aussi.